c'est Nat, bienvenue pour votre vidéo, votre petite bulle du mardi, votre petite guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 24 novembre. Alors, donc hier c'était un petit peu mitigé, voilà, on parlait un petit peu d'attaque, de sournoiserie, de réflexion, de choses un petit peu comme ça, mais bon, avec une forte protection quand même avec le pentacle. Alors aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, hein, évidemment. Donc, on va utiliser, comme d'habitude, le singular magique. Et puis, j'ai décidé de reprendre encore une fois le Moana Dreams Tarot, donc mon tarot, qui est épuisé actuellement. Le singular magique est en précommande jusqu'au 15 décembre, sauf si j'arrive aux 100 exemplaires avant, ce qui n'est pas impossible. Il en reste plus tellement maintenant. Voilà, donc vous avez le site sous la vidéo. Et on va utiliser aussi l'oracle cosmique d'Audi qui n'est pas publié, qui le sera peut-être un jour, comme je disais hier, voilà, mais je vais retravailler dessus un jour. Voilà, ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais ça viendra certainement. Allez, on y va, donc on prend le petit singular, et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des énergies. Allez, on va voir ce qu'on canalise aujourd'hui. Bon, je suis ravie de savoir que ces petites bulles vous plaisent. Vous me laissez plein de gentils commentaires, donc je voulais vous remercier vraiment toute ma gratitude. Ça vient vraiment du fond du cœur. Je vous envoie plein de bisous. Et voilà, on me dit le sourire, ça fait du bien. La guidance, ça fait du bien. Les bons conseils, les jolies cartes. Bah écoutez, je le fais pour vous. Voilà, si je peux faire un petit peu, donner un petit peu de mon temps chaque jour pour vous aider, ça fait partie de ma mission aussi. Elle s'est tournée toute seule. On a la carte de la vérité connectée au chakra de la gorge. Hein, vous voyez ses lèvres bleues, donc connectée à notre chakra de la gorge. On va vous parler de dire la vérité. C'est une journée placée sous le signe de la vérité, de l'authenticité. Allez, on va continuer. Moi, j'avais envie d'en piéger une autre du singular. C'est comme ça, de toute façon, je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Ouais, je fais qu'est-ce que je veux. Allez. Wouhou ! L'abondance. Il y en a plein. L'audace. Alors, on a d'abord eu la vérité. L'audace, elle est sortie avant, je l'ai vu sauter avant, et l'abondance. Donc, là, on vous demande clairement, il y avait l'audace hier, d'être dans votre vérité à vous. La vérité de quelqu'un d'autre, si on vous dit ce tissu est noir alors que vous le voyez rouge, votre vérité c'est quoi? Qu'il est rouge. Donc, vous n'allez pas vous taire et dire « ah oui, oui, il est noir ». Vous allez dire qu'il est rouge. Donc, on vous demande de rester aligné, de rester authentique dans votre vérité. Il va falloir vous exprimer, il va falloir sortir ce qui est coincé là. L'audace vous le demande, comme hier. Donc, il y a encore la suite de cet épisode, j'ai l'impression. Mais, on a une carte d'abondance. Du moment que vous restez aligné, je dirais presque que rien de mauvais ne peut vous arriver parce que, voilà, pour avoir l'abondance, pour récolter du bon, il va falloir semer du bon. Sauf que si vous êtes déséquilibré, si vous n'êtes pas aligné et si vous restez dans la vérité des autres qui n'est pas la vôtre, ça ne peut pas fonctionner. Donc on vous dit que pour arriver à cette abondance, c'est très important, il va falloir s'exprimer. Et regardez, l'audace, elle est reliée à la fois au féminin et au masculin parce qu'on a la lune ici, mais l'audace, ça va être plutôt une qualité, entre guillemets, qui fait partie du masculin. Donc, on a quand même ces deux énergies qui sont présentes et on a la vérité, on a encore du bleu. Donc, on a deux fois hein, le chakra de la gorge, là. Ça ressort ici aussi, hein, le bleu. Donc là, on vous dit vraiment que votre chakra de la gorge va être très sollicité aujourd'hui. Je m'excuse si ça brille, mais j'ai le spot juste en face, c'est un peu compliqué. Voilà, j'essaye de vous les montrer quand même correctement. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, je dirais. Non, je ne sais pas pourquoi je prends celui-là, c'est celui-ci. Mais comme ils ont le dos sombre tous les deux et la même taille.
Bon, alors on va voir ce que ça donne. L'abondance, on l'appelle d'une certaine façon. Si on se dit « Ah, mais je vais pas y arriver. Ah, mais non, c'est pas possible. » Et Dieu sait de quoi je parle. Et les gens qui me connaissent sauront de quoi je parle. On s'en sort pas. On va pas récolter du bon. On va récolter du négatif. Si, il faut se projeter comme si c'était déjà dans votre vie. Voilà. Je sais pas si vous connaissez... c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça parce qu'elle est sur TikTok. Et elle m'a fait découvrir un gars qui fait du playback sur une chanson. Et en fait, cette chanson, on peut la trouver sur YouTube. C'est un gars qui chante « Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. » Voilà, donc en fait, ma fille m'a montré ça, elle me dit « Maman, regarde, ça va être notre nouveau rituel de magie, d'abondance. » Alors, elle m'a fait mourir de rire. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est pas du tout idiot, ma fille... pour son âge, pour son jeune âge, elle comprend tellement de choses. » Et je me suis dit, mais elle est fabuleuse parce que elle me sort ça comme ça. Et mais oui, c'est tout à fait ça. Il faut se projeter en disant je suis heureux, heureuse, j'ai l'abondance. Et alors, on ne parle pas que d'abondance financière. L'abondance, c'est autre chose. C'est l'abondance de relations amicales, fiables et sincères. C'est l'abondance d'amour. C'est tout un tas de choses, en fait. On peut se contenter de très peu et le percevoir comme de l'abondance. Vous voyez, donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais essayez de méditer là-dessus parce que visiblement, quand même, ça fait partie du message aussi, puisqu'on a la carte de l'abondance. Donc, voilà, si on donne les mauvaises infos à l'univers, on va récolter la mauvaise récolte. Allez. Le Moanadjum Staro, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va me confirmer tout ça? Le fou. Donc là, clairement, on vous demande de prendre peut-être une voie que vous ne prenez pas habituellement. On n'a peut-être pas l'habitude de vous voir comme ça, de vous entendre comme ça. Regardez, on a l'audace, c'est le fou. Hein, c'est un peu ça, hein, quelque part. Donc oui, ça confirme. Peut-être qu'on ne vous voit pas sous cette facette-là, ben là, il va falloir se jeter pas dans le vide, je dirais pas ça, mais il va falloir oser. Il va falloir oser et montrer de quoi vous êtes capable, faire écouter le chant de votre tambour à vous, le tambour qui est relié au battement du cœur. Hein, voilà, quand le tambour bat au rythme du cœur, comme ça, je fais aussi du tambour. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous comprendrez quand vous aurez le guidebook, pour ceux qui ont commandé le tarot. Mais en fait, c'est très important de suivre les battements de son cœur. Et là, les battements du cœur de cette jeune autochtone sont reliés à son tambour. Donc clairement, là on vous dit encore, vérité, vérité, suivre votre cœur, suivre votre authenticité, suivre vos idées. Et puis voilà, c'est de cette façon-là que vous allez récolter l'abondance. Alors, c'est peut-être lié à la chose de la veille, c'est-à-dire qu'on vous est piqué, etc. C'est peut-être aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire, et ça, je ne l'ai pas dit hier. C'est peut-être des gens qui s'opposent à vos projets ou qui vous disent « Ah, mais non, c'est pas le moment avec le Covid, datati, tatata », et qui vous piquent du coup. Et du coup, vous vous dites « Ah, mais ils font ça pour mon bien, etc. » Et puis finalement, vous vous rendez compte que non, ils comprennent rien, en fait, c'est tout. Voilà, donc à réfléchir tout ça. Après, je ne vous dis pas de faire des choses inconsidérées, attention. Hein. C'est pas ça du tout. Mais quand vous sentez que ça vibre en vous, que c'est vrai, que c'est fondé et que ça fonctionne, ben, il faut vous écouter vous et pas les autres. Hein. C'est tout, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle cosmique d'Audi. Allez, la fin. Ah, alors là, on vous dit clairement que, voilà, il va falloir arrêter nettement quelque chose pour repartir sur autre chose de nouveau. Donc, ça suit vraiment une logique implacable pour moi. C'est-à-dire que
Le fonctionnement que vous avez actuellement ne fonctionne pas pour l'abondance. Il va falloir mettre les coronets sur la table et vraiment vous connecter à vos tripes et à votre lumière intérieure, à votre vrai vous, le moi authentique, comme on l'appelle, et exprimer vraiment ce que vous avez à dire, quoi. C'est super important. Je pense que là, vraiment, on vous indique quelque chose. Il est peut-être temps de passer à autre chose, là. C'est ce que ça nous dit, en tout cas. Donc, réfléchissez à tout ça et vous me direz si cela vous parle. Voilà, ça va parler à certains d'entre vous, hein, comme chaque jour, et puis à d'autres moins. C'est normal, c'est une guidance générale, hein, je le rappelle. Et si vous avez besoin de mes services, évidemment, vous pouvez me trouver via mon site. J'ai un petit délai de réponse, là, parce que c'est vrai que, bon, au début du confinement, c'était un peu plus calme. Puis là, ça a repris et c'est vrai que du coup, je mets un petit peu de temps à vous répondre, le temps d'éplucher toutes les demandes, etc. Mais je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas, si vous m'avez fait des demandes par mail, via le site, je veux dire via le formulaire ou par mail, je vais répondre à tous mes mails, voilà, il n'y a pas de souci, vous aurez des nouvelles de moi sous 24 à 48 heures. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mardi, une belle journée, prenez soin de vous, réfléchissez à tout ça, et puis je vous retrouve demain, mercredi 25 novembre. Voilà, portez-vous bien, des bisous, à demain, bye bye.